famille chrétienne devrait être une mini-église. Tous ses membres sont invités à s'aider mutuellement, à grandir dans la foi et à rivaliser de zèle envers Dieu. Tous devraient prier ensemble les uns pour les autres et vivre ensemble l'amour du prochain. Les parents ont la responsabilité de transmettre leur foi à leur enfant et de la faire baptiser. Ils sont au service de leur enfant en étant des témoins de leur foi. Ce qui veut dire qu'il est important qu'ils fassent sentir à leur enfant combien il est précieux et agréable de vivre dans la présence et la proximité du bon Dieu. Mais un jour, les parents devront être attentifs à la foi de leur enfant, entendre Dieu parler à travers eux. Car la foi des jeunes est souvent empreinte d'une grande ferveur et de dons à Dieu. Et parce que le Seigneur révèle souvent à un jeune ce qu'il y a de meilleur. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme plus méritants, d'un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur. Épître aux Romains 12, 10, 11.